Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Max, d'où vient votre passion pour les fleurs J'ai développé mon intérêt pour les plantes très tôt. Quand j'étais enfant, j'ai longtemps vécu à la campagne, où les champs de fleurs étaient mon terrain de jeu préféré. Avez-vous fait un apprentissage Oui, j'ai terminé l'école des fleuristes à Paris il y a maintenant plus de six ans. Comment avez-vous eu l'idée de faire autre chose que des bouquets je trouve que la profession de fleuriste peut être ennuyeuse quand on fait tous les jours les mêmes créations, bouquets, compositions, etc. Un jour, l'idée m'est venue d'aller plus loin dans cet art et donc de ne pas fabriquer seulement des compositions de fleurs. Vous habitez et travaillez à Londres. Pourquoi Avant, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans le monde entier et de faire d'incroyables collaborations. Mais Londres m'a beaucoup séduit par de nouvelles rencontres, de nouveaux projets. Où est-ce que vous cherchez vos idées Dans l'art et dans la mode. Je les cherche chez certains grands stylistes. Mais je reste aussi attentif à ce que proposent mes collègues fleuristes. J'admire par exemple l'élégance de Thierry Boutemi, le fleuriste belge. Vos créations sont magnifiques. Combien d'heures de travail cela vous demande-t-il tout dépend du type de fleur que j'utilise pour créer une jupe ou une robe de soirée. Cela peut aller de quelques heures à une demi-journée. Quelle est votre fleur préférée L'hortensia est une fleur avec des couleurs incroyables. J'aime aussi faire sécher les roses et leur donner une seconde vie. Avez-vous autre chose à dire à nos auditeurs Oui. Vivez votre passion. Nagrania jeszcze raz. Max, d'où vient votre passion pour les fleurs J'ai développé mon intérêt pour les plantes très tôt. Quand j'étais enfant, j'ai longtemps vécu à la campagne où les champs de fleurs étaient mon terrain de jeu préféré. Avez-vous fait un apprentissage Oui, j'ai terminé l'école des fleuristes à Paris il y a maintenant plus de six ans. Comment avez-vous eu l'idée de faire autre chose que des bouquets je trouve que la profession de fleuriste peut être ennuyeuse quand on fait tous les jours les mêmes créations, bouquets, compositions, etc. Un jour, l'idée m'est venue d'aller plus loin dans cet art, et donc de ne pas fabriquer seulement des compositions de fleurs. Vous habitez et travaillez à Londres Pourquoi Avant, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans le monde entier et de faire d'incroyables collaborations. Mais Londres m'a beaucoup séduit par de nouvelles rencontres, de nouveaux projets. Où est-ce que vous cherchez vos idées Dans l'art et dans la mode. Je les cherche chez certains grands stylistes. Mais je reste aussi attentif à ce que proposent mes collègues fleuristes. J'admire par exemple l'élégance de Thierry Boutemi, le fleuriste belge. Vos créations sont magnifiques. Combien d'heures de travail cela vous demande-t-il tout dépend du type de fleur que j'utilise pour créer une jupe ou une robe de soirée. Cela peut aller de quelques heures à une demi-journée. Quelle est votre fleur préférée L'hortensia est une fleur avec des couleurs incroyables. J'aime aussi faire sécher les roses et leur donner une seconde vie. Avez-vous autre chose à dire à nos auditeurs Oui. Vivez votre passion. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Si vous devez passer toute la journée enfermé au bureau, vous vous exposez très peu à la lumière du soleil. Tout le monde sait qu'on a besoin de vitamine D. Le corps la produit naturellement en réaction à l'exposition au soleil pour rester en forme et éviter les maladies. Des études ont montré que passer du temps dans la nature peut stimuler votre créativité et vos fonctions cognitives. Donc, si vous en avez l'occasion, Sortez prendre l'air, c'est important pour votre organisme. 2. Un jour, vous avez entendu cette mélodie et vous en avez été particulièrement enchanté ou ému. Nous vous avons demandé quel air d'opéra vous n'avez jamais oublié et nous avons obtenu beaucoup de réponses. Voici votre top 10 où Mozart occupe la première place. Il vous touche, il joue sur vos émotions. Ce samedi à 18h, sur notre chaîne Radio Musique, écoutez ces airs d'opéra inoubliables, principalement des airs tragiques inspirés par le sentiment d'amour malheureux, mais aussi quelques notes plus joyeuses. 3. Cela fait presque 100 ans que l'air conditionné existe. Pourtant, la méthode n'a presque pas évolué jusqu'à aujourd'hui. La start-up OxyCool veut révolutionner le secteur avec un nouveau produit. Elle annonce une consommation électrique réduite de 90% par rapport à une climatisation équivalente. En plus, son système est totalement silencieux. Donc, plus de bruit. Seul inconvénient, L'appareil est beaucoup plus grand que les modèles actuels. Il sera disponible très bientôt. On a longtemps attendu un produit comme celui-ci. 4. La peinture en plein air a de nombreux adeptes depuis le 19e siècle. Si vous aimez peindre en plein air, contactez-moi pour un atelier sur mesure. Je connais de beaux endroits avec une infrastructure adaptée pour y passer, par exemple, les jours de pluie, des lieux pour se restaurer et éventuellement pour se loger. En plus, je possède tout le matériel nécessaire. Je peux vous prêter couleurs, pinceaux, cartons à dessin, chaises, chevalets. Vous ne devez penser à rien. 5. La vidéo est importante dans la construction de votre business et de votre marque parce qu'elle augmente la confiance. Si vous avez l'air d'être bien sur les vidéos en ligne, les gens vont vous croire plus facilement. Alors soyez décontracté, pensez à quelque chose d'heureux et surtout, souriez. Cela produit une réaction physique dans votre corps qui vous aide à respirer, vous rend plus à l'aise, et plus confiant devant la caméra. 1. Si vous devez passer toute la journée enfermé au bureau, vous vous exposez très peu à la lumière du soleil. Tout le monde sait qu'on a besoin de vitamine D. Le corps la produit naturellement en réaction à l'exposition au soleil pour rester en forme et éviter les maladies. Des études ont montré que passer du temps dans la nature peut stimuler votre créativité et vos fonctions cognitives. Donc si vous en avez l'occasion, sortez prendre l'air, c'est important pour votre organisme. De. Un jour, vous avez entendu cette mélodie et vous en avez été particulièrement enchanté ou ému. Nous vous avons demandé quel air d'opéra vous n'avez jamais oublié et nous avons obtenu beaucoup de réponses. Voici votre top 10 où Mozart occupe la première place. Il vous touche, il joue sur vos émotions. Ce samedi à 18h, sur notre chaîne Radio Musique, Écoutez ces airs d'opéra inoubliables, principalement des airs tragiques inspirés par le sentiment d'amour malheureux, mais aussi quelques notes plus joyeuses. 3. Cela fait presque 100 ans que l'air conditionné existe. Pourtant, la méthode n'a presque pas évolué jusqu'à aujourd'hui. La start-up OxyCool veut révolutionner le secteur avec un nouveau produit. Elle annonce une consommation électrique réduite de 90% par rapport à une climatisation équivalente. En plus, son système est totalement silencieux. Donc, plus de bruit. Seul inconvénient, l'appareil est beaucoup plus grand que les modèles actuels. Il sera disponible très bientôt. On a longtemps attendu un produit comme celui-ci. 4. La peinture en plein air a de nombreux adeptes depuis le 19e siècle. Si vous aimez peindre en plein air, contactez-moi pour un atelier sur mesure. Je connais de beaux endroits avec une infrastructure adaptée pour y passer, par exemple, les jours de pluie des lieux pour se restaurer. Et éventuellement pour se loger. En plus, je possède tout le matériel nécessaire. Je peux vous prêter couleurs, pinceaux, cartons à dessin, chaises, chevalets. Vous ne devez penser à rien. 5. La vidéo est importante dans la construction de votre business et de votre marque parce qu'elle augmente la confiance. Si vous avez l'air d'être bien sur les vidéos en ligne, les gens vont vous croire plus facilement. Alors soyez décontracté, pensez à quelque chose d'heureux et surtout souriez. Cela produit une réaction physique dans votre corps qui vous aide à respirer, vous rend plus à l'aise et plus confiant devant la caméra. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego. 1. Uh. J'ai vécu sept ans et demi à Paris. Pendant mon séjour en France, j'ai fait mes études de second et troisième cycle Avant cette expérience, j'avais sur les Français les mêmes idées que la plupart des Brésiliens, ce qui s'explique d'abord par l'histoire. Comme de nombreux pays au XIXe siècle, le Brésil a été très marqué par la culture française. À la Cour, à Rio de Janeiro, on parlait couramment le français. Les sentiments et les jugements à propos des Français, ce sont surtout des stéréotypes liés aux produits qui évoquent l'identité française, le parfum, le fromage, et le vin. Mais maintenant, pour moi, la France, c'est beaucoup plus. J'ai vécu sept ans et demi à Paris. Pendant mon séjour en France, j'ai fait mes études de second et troisième cycle. Avant cette expérience, j'avais sur les Français les mêmes idées que la plupart des Brésiliens, ceux qui s'expliquent d'abord par l'histoire. Comme de nombreux pays au XIXe siècle, le Brésil a été très marqué par la culture française. À la Cour, à Rio de Janeiro, on parlait couramment le français. Les sentiments et les jugements à propos des Français, ce sont surtout des stéréotypes liés aux produits qui évoquent l'identité française le parfum, le fromage et le vin. Mais maintenant, pour moi, la France, c'est beaucoup plus. Zapoznaj się z treścią zadania, do tekstu drugiego. D Votre chien est-il un génie Découvrez-le grâce au Dognition Project, une application pour mesurer le niveau d'intelligence d'une grande variété de chiens aux quatre coins du monde. Comme vous le savez, il y a beaucoup de livres sur les chiens, mais c'est la première fois que vous pourrez collaborer aux recherches. Grâce à cette application, des milliers de propriétaires de chiens à travers le monde Pourront mener des expériences amusantes avec leurs compagnons à quatre pattes. Et ces tests seront une mine d'informations pour les chercheurs. nagrania jeszcze raz. Votre chien est-il un génie? Découvrez-le grâce au Dognition Project une application pour mesurer le niveau d'intelligence d'une grande variété de chiens aux quatre coins du monde. Comme vous le savez, il y a beaucoup de livres sur les chiens, mais c'est la première fois que vous pourrez collaborer aux recherches. Grâce à cette application, des milliers de propriétaires de chiens à travers le monde pourront mener des expériences amusantes avec leurs compagnons à quatre pattes. I ces tests seront une mine d'informations pour les chercheurs. Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu trzeciego. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui es-tu? Bonjour à tous, je m'appelle Louis François, j'ai 33 ans. L'an dernier, je suis parti en voyage en Asie avec ma femme pendant 11 mois. Et de façon générale, je suis un passionné de voyage. Pourquoi partir en Inde? Il y a mille raisons de partir en Inde, mais la première question à se poser, c'est en avez-vous vraiment envie? L'Inde n'est pas un pays facile d'accès et peut désorienter si on ne s'est pas préparé correctement avant le départ. Les cinq sens sont stimulés, et notre vie occidentale stérilisée peut avoir du mal à supporter le choc. Quelle est la meilleure période pour y aller? La meilleure saison pour partir en Inde est l'hiver, mais les différences de climat entre les régions sont considérables. En décembre et en janvier, par exemple, il peut faire très froid au nord. Le sud du pays, surtout la côte sud-est, est touché par de fortes pluies d'octobre, à début décembre. Combien de temps consacrer à l'Inde Certains y consacrent une vie, d'autres en ont assez au bout de trois semaines. Mon premier voyage en Inde a duré dix jours, et c'était évidemment trop court, mais c'était une bonne introduction pour découvrir le pays vous ne pourrez de toute façon pas voir toute l'inde même en six mois quels sont les événements à ne surtout pas manquer en inde tout d'abord la kumbh mela qui a lieu tous les douze ans et qui tourne sur les quatre villes saintes il s'agit du plus grand pèlerinage de la planète tout simplement vous pouvez aussi prendre part à la holi la fameuse et spectaculaire fête des couleurs elle a lieu chaque année pendant deux jours pendant le mois de février ou mars, un peu partout en Inde. Autre événement important, Diwali, qui est la fête des Lumières. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui es-tu Bonjour à tous, je m'appelle Louis-François. J'ai 33 ans. L'an dernier, je suis parti en voyage en Asie avec ma femme pendant 11 mois. Et, de façon générale, je suis un passionné de voyage. Pourquoi partir en Inde Il y a mille raisons de partir en Inde. Mais la première question à se poser, c'est en avez-vous vraiment envie L'Inde n'est pas un pays facile d'accès et peut désorienter si on ne s'est pas préparé correctement avant le départ. Les cinq sens sont stimulés, et notre vie occidentale stérilisée peut avoir du mal à supporter le choc. Quelle est la meilleure période pour y aller? La meilleure saison pour partir en Inde est l'hiver, mais les différences de climat entre les régions sont considérables. En décembre et en janvier, par exemple, il peut faire très froid au nord. Le sud du pays, surtout la côte sud-est, est, est touché par de fortes pluies d'octobre, à début décembre. Combien de temps consacré à l'Inde Certains y consacrent une vie, d'autres en ont assez au bout de trois semaines. Mon premier voyage en Inde a duré dix jours et c'était évidemment trop court, mais c'était une bonne introduction pour découvrir le pays. Vous ne pourrez de toute façon pas voir toute l'Inde même en six mois. Quels sont les événements à ne surtout pas manquer en Inde Tout d'abord, la Kumbh Mela qui a lieu tous les douze ans. Et qui tourne sur les quatre villes saintes. Il s'agit du plus grand pèlerinage de la planète, tout simplement. Vous pouvez aussi prendre part à la Holi, la fameuse et spectaculaire fête des couleurs. Elle a lieu chaque année pendant deux jours, pendant le mois de février ou mars, un peu partout en Inde. Autre événement important, Diwali, qui est la fête des lumières. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.